Non, presque gagné. Jamais je ne réussirai à battre Zorg. Mais si, tu y arriveras. Le meilleur boss ici, c'est toi. C'est à cause de mes petits membres. J'arrive pas à tirer et à appuyer sur la commande sauter en même temps. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Mais où il est? Woody? Hein? Non! Oh! 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 J'arrive, cowboy! Woody, est-ce que ça va? Ouais, ça pourrait aller, Buzz. Ok. Voilà ce qu'il y aura à faire durant mon absence. Alors, changer les piles des jouets, faire la rotation de ceux qui sont au fond du coffre. Oh, j'aimerais que tout le monde assiste au séminaire de Monsieur Spell sur ce qu'on doit faire si par hasard on est avalé. C'est clair? Très clair. D'accord, voilà. Woody, tu n'as toujours pas retrouvé ton chapeau? Non! Andy s'en va bientôt à son camp de cow-boy et il n'y a rien à faire, j'ignore où il est. Ne t'en fais pas. Regarde, dans quelques heures à peine, tu seras devant un énorme feu avec Andy à te faire griller de délicieuses quiboles. Il s'agit de guimauve, Buzz. Ouais, t'as raison. Est-ce qu'on a retrouvé son chapeau? Continuez les fouilles, soldats! Faisez! Négatif! Cherchons toujours! Il y a le nain de pelouse d'à côté qui dit n'avoir rien vu dans le jardin, mais qui va continuer de regarder. Rien dans la chambre de Molly, on a fouillé dans tous les coins. Je l'ai retrouvé! T'as mon chapeau? Ton quoi? Non, c'est ma femme qui est à moitié sourde. Oh, ma chère et tendre patate douce! Hein? Oh, tu l'as retrouvé! Oh, j'ai tant de chance d'avoir un bon grand tubercule qui veille sur tout! Oh. Oh, chouette, ça c'est génial! Je vais manquer le camp de cow-boy pour la première fois juste à cause de mon chapeau à la noix! Woody, regarde sous ta botte. Ne sois pas ridicule, écoute, il est pas sous ma botte! Mais jette un coup d'œil! Non! Oh. Tu vois, y a rien. Juste le nom de Andy. Et chapeau ou non, je crois que l'enfant qui a écrit son nom-là ira au camp avec son jouet adoré. Tu as bien raison, Beau. C'est juste que je passe toute l'année à attendre ce jour où on peut rester un peu seul, moi et Andy. Et... Tu sais que tu es chou quand tu ouvres ton cœur. Beau, on est juste devant Buzz. Il aime nous regarder. Mademoiselle Pip, vos moutons. De la grange aux jouets de Hal. J'ai tout de suite à sortir. Et justement, il y en a un qui est en train d'éclore. Alors, qu'est-ce que ce sera? On a des bateaux pas chers, des oursons pas chers. Mec, c'est pas ça, quelqu'un va l'entendre. Mais c'est où que j'appuie? Pas cher. Et vous économisez beaucoup. Alors, l'amour du ciel, ces boutons-là. Autoroute 7, sortie. Je vous jure que ce poulet, je le déteste. Les gars. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. Mais quoi encore? Vas-y, raconte! La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ton chapeau, Woody. Il est là! Oh, Slinky, je t'adore. Mais où est-ce qu'il était? Bah, c'est ça, la mauvaise nouvelle. Oh, c'est Boston! Dépêchons! Woody, cache-toi, vite! D'accord, ok, tu m'as trouvé, Buster, arrête! Oh, on a quel temps, Ham? Je crois qu'on a un record. Allez, mon grand, assis. Les mains en l'air. Je t'ai eu! Excellent, mon grand. Et qui va s'ennuyer de moi pendant mon absence, hein? Qui va s'ennuyer de moi? À qui est-ce que je vais manquer le plus? Allez, bon week-end tout le monde et à dimanche soir. Ouais, dans ma chambre. Oh, les mains! Ouais, faudra encore s'entraîner. Alors, Woody, prêt pour le camp, bonhomme? Andy, chérie, dépêche-toi un peu, dans 5 minutes, on s'en va. 5 minutes...